Madame, monsieur, bonsoir. La question rituelle avant de commencer cette nouvelle chasse au trésor. Vous connaissez la règle du jeu, je ne vous la rappelle pas. Nous partons donc tout de suite pour un pays lointain. Eh bien aujourd'hui, nous sommes au Canada. Et plus précisément, dans un Canada où on parle français, puisque nous sommes à Québec. Vous voyez là, le Saint-Laurent, à quelques 1000 kilomètres de l'Atlantique et de Terre-Neuve, vous avez Québec. Québec qui est d'ailleurs la ville européenne la plus ancienne d'Amérique et l'une des plus belles villes de l'Amérique du Nord. Elle a été fondée, elle est perchée au-dessus du Saint-Laurent, vous le voyez d'ailleurs sur cette carte, et elle a été fondée au début du XVIIe siècle, exactement en 1608, par le fameux Champlain. On peut dire, je crois, que Québec, c'est le berceau de la civilisation française en Amérique. Alors, madame, monsieur, c'est là, dans cette île d'Orléans, à Sainte-Pétronille exactement, ou près de Sainte-Pétronille, que se trouve Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère, équipe à votre entière disposition là-bas sur place pour être à la fois vos yeux et vos jambes. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous reçois à Paris, absolument, je suis toujours là donc pour vous aider, je suis là à vos ordres. Et vous parliez du Saint-Laurent, et bien je me trouve actuellement au milieu du Saint-Laurent puisque je suis à l'extrémité ouest de l'île d'Orléans, donc près du village de Sainte-Pétronille. Je suis à quelques 6 km de la ville de Québec. Aujourd'hui, l'équipe de reportage qui va faire son maximum pour trouver le trésor, Michel Stiffer, notre pilote, un Québécois, Thierry Pouget, notre spécialiste vidéo, et Thierry Malater, le caméraman. Alors, bien sûr, le caméraman, on ne le voit jamais, je prends la caméra, le voici, c'est Thierry Malater. Ok, je te rends bien, Thierry, merci. Maintenant, je m'adresse à vous, cher candidat, parce que Marc Gurneau a bien voulu établir la liaison. Je m'adresse à vous pour vous dire que je suis prêt, ici avec toute l'équipe, pour faire le maximum pour trouver en 45 minutes un trésor. Ce trésor, on ne sait pas où il est, je vous en donne ma parole, mais nous ferons tout pour le trouver. À vous Paris, c'est parti. Et nous non plus, nous ne savons pas, malheureusement. Alors, nous allons poursuivre les présentations. Madame. Je m'appelle Christine Van Snick. C'est belge. Van Snick, c'est belge, oui. J'habite à Oudergem, près de Bruxelles. Banlieue de Bruxelles. Dans la banlieue, oui. Alors, j'ai un enfant. Et vous travaillez? Oui, je suis enseignante en éducation physique. Enseignante, professeure d'éducation physique? C'est ça, oui. Et monsieur, dans l'enseignement aussi? Non, je suis médecin. Je suis médecin et je m'appelle Georges Van Snick, puisque nous sommes mariés. Alors, Christine et Georges Van Snick. C'est ça. De Bruxelles, pratiquement. Quoi. De Bruxelles, oui. Vraiment. Médecin? Médecin. Vous connaissez le Canada? Pas du tout. En tout cas, comme d'habitude, les producteurs ont imaginé avoir trouvé un message. Le message est là. Sans perdre de temps, je vais vous en donner la copie et nous allons le lire ensemble. Le lire, je commence à avoir une certaine expérience, le plus précisément possible. Le relire souvent parce que tout est dans les mots et dans l'assemblage des mots. Je crois qu'on oublie souvent les nuances et on se perd un peu. Et on aura besoin du texte exact de cette énigme en permanence pour guider Philippe de Dieuleveux. Allons-y donc. Le texte. J'ai été recruté à Nantes en 1671. Dans le soubassement sud du transept de l'église voisine du lieu où je logeais, je cachais dès mon arrivée mon pécule personnel. J'étais méfiante à l'égard de mon futur époux, encore inconnu. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette bourse. Et je vous charge de la récupérer si les Indiens de la Réduction ne l'ont pas trouvée avant vous. Si je meurs d'ici là, le pécule vous appartiendra. Et je lis le post-scriptum. Ce fragment de billet a été retrouvé dans les affaires personnelles de Marie Le Saint, épouse Maranda. Nous lisons. J'ai été recruté il y a un an, j'ai été recruté à Nantes en 1671, dans le soubassement sud du transept de l'église voisine du lieu où je logeais, je cachais dès mon arrivée mon pécule personnel. J'étais méfiante à l'égard de mon futur époux encore inconnu. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette bourse et je vous charge de la récupérer si les Indiens de la Réduction ne l'ont pas trouvée avant vous. Si je meurs d'ici là, le pécule vous appartiendra. Fragment de billet retrouvé dans les affaires personnelles de Marie Le Saint, épouse Maranda. C'est vu? C'est vu. Alors,
pour ne pas me tromper sur les offres que je vais vous faire, je vérifie bien, je vous achète cette bourse, ce pécule, cher candidat, pour la somme de 30 000 francs français, c'est-à-dire pour vous 205 000 francs, à peu près 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou quelques 7 700 $ canadiens, ou 11 500 francs suisses. À la condition qu'avec Philippe de Dieuleveux, vous ayez retrouvé le trésor avant 45 minutes. Et vous savez que le gong retentira. Au bout de ces 45 minutes, vous n'aurez pas une seconde de plus. Malheureusement, le jeu, c'est le jeu. La réponse est dans cette cassette. Si vous entendez le gong avant d'avoir trouvé, j'ouvrirai la cassette. Nous vérifierons, nous essaierons de comprendre avec cette réponse où se trouvait exactement le trésor. Et à ce moment-là, Philippe de Dieuleveux, s'il n'a pas pu le trouver avant, ira vérifier sur place qu'il se trouve bien là où l'énigme l'avait placé. Philippe de Dieuleveux, vous êtes prêt? Je suis là, je suis prêt, oui. Alors vous prenez votre chronomètre. Je prends mon chronomètre. Je vais vous donner le top dans 2 ou 3 secondes. Vous le mettez d'abord à 0. Attention pour le top. Je suis prêt. Top! Ok. 45 minutes. Alors on retient sans doute la date de 1671. Le fait, enfin pour moi, que ça se trouve dans une église. Et qu'il est peut-être intéressant de voir déjà les églises qui existaient en 1671, dans la ville de Québec. Les églises qui existaient dans la ville de Québec, avant 1671. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de l'hélicoptère? On peut peut-être lui demander de prendre un point fixe au-dessus d'un point central, comme l'hôtel de ville. Il quitte l'île d'Orléans, donc. Oui. Il peut peut-être redescendre donc, le Saint-Laurent et venir tourner en attendant d'autres informations du côté du musée du Québec. Je ne sais pas, éventuellement repérer déjà une position s'il devait se poser. Georges et Christine, je vous demanderai de parler suffisamment fort pour ne pas avoir tout le temps à relayer. Comme ça, Philippe de Dieuleveux gagnera du temps, il ira tout de suite. Est-ce que vous avez entendu, Philippe? Peut-être pas très bien. Alors, Philippe de Dieuleveux, je vous répète le souhait de nos amis belges. Que vous décolliez et qu'avec l'hélicoptère, vous alliez faire un point fixe au-dessus des plaines d'Abraham, c'est-à-dire du côté du musée du Québec. Vous m'entendez? Non, je vous entends très mal. Au-dessus de? Du musée du Québec. Le musée du Québec, il se trouve dans cette très belle, dans ce magnifique parc là qui s'appelle les Plaines d'Abraham. Vous voyez, près du Saint-Laurent. D'accord, au-dessus des Plaines d'Abraham, oui. Oui, ça va vous obliger à passer, à traverser tout le chenal, à passer devant la citadelle. Et pour vous, c'est de l'autre côté de la citadelle, le musée d'accord, du Québec. Très alors, bien. Faites un point fixe là-bas. D'ici là, nous allons essayer de trouver des renseignements. Je m'y rends. Bon, alors je crois que si on veut avancer un petit peu, il y a effectivement plusieurs clés à repérer. Ce sont, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a été recrutée à Nantes en 1671. Ça veut dire qu'elle peut être arrivée beaucoup plus tard au Québec. Alors je crois qu'il y a une chose, c'est qu'elle signe, enfin, c'est qu'on retrouve son nom. Parce que vous pensez qu'elle est partie à la nage. Ben justement, je crois qu'il faut quand même qu'on tienne compte de la longueur des trajets. Alors je crois que ce qu'on devrait d'abord retrouver, c'est un minimum d'histoire sur Marie Le Saint ou sur Maranda, ce que je viens de faire pendant que l'hélicoptère prenait les informations. Et je vois qu'il existe Maranda, mais qui semble être un lieu dit, qui est la Roche à Maranda. Oui, ça veut dire qu'il y avait sans doute une famille Maranda dans le coin de cette roche. Exactement, c'est ce qui semble se dire où? Ici. Ah, vous alors, avez un chapitre complet, Maranda. J'ai un chapitre complet Maranda. Ce qui est quand même une chose non, mais vous avez, regardez, vous avez tort de dire que c'est uniquement un lieu-dit. Le premier ancêtre de la famille Maranda est né à 1629 à la flotte. Oui. Alors, 1671, c'est donc probablement pas... je crois qu'il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi elle se rend au Québec. Qu'est-ce qui se passe au départ? Alors, quand je lis dans le texte, j'étais méfiante à l'égard de mon époux futur encore inconnu. C'est une chose qui me paraît bizarre. Oui, je pense que ça paraîtra bizarre à tout le monde. Je crois que ça nécessite là quelques informations. Tu peux peut-être t'occuper de... Trois minutes. Tu peux peut-être t'occuper de repérer un petit peu ce que ça veut dire, cette histoire d'époux futur encore inconnu. Nous sommes donc ça, c'est une chose. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de détailler un petit peu Un instant, Philippe, pour savoir où il en est. Philippe de Dieuleveux. Pardon? Oui, vous êtes en route? Oui, absolument, nous sommes au-dessus du Saint-Laurent, nous arrivons au-dessus, enfin à proximité de la vieille ville de Québec, que nous allons donc remonter en direction des plaines d'Abraham. À titre d'information, il y a combien entre Sainte-Pétronille où vous étiez
Et la vieille ville, il y a combien de kilomètres à peu près? Eh bien, nous avons à peu près, à peu près 10 kilomètres encore à faire. Hein. Ah, autant que ça? Ah oui, nous avons à peu près 10 kilomètres à faire pour arriver au-dessus des plaines d'Abraham, oui. Oui. Ah, nous ne sommes pas d'accord, nous. Ah bon, d'accord. Ou alors vous étiez très loin de San Petronille, mais pour nous, le chenal, il fait 2 kilomètres à peu près. Bah écoutez, là, j'arrive juste à la pointe de la vieille ville de Québec. Et disons maintenant, oui, en effet, j'ai peut-être, j'ai peut-être 6 kilomètres à faire, oui. Oh non, 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 c'est beaucoup plus près, hein. Bah écoutez, on vous demande, en fait, d'aller au maximum au milieu de ces plaines d'Abraham. C'est-à-dire à 1 kilomètre seulement de l'autre côté de la citadelle. D'accord, ok, bah, en effet, je suis d'accord avec vous, oui. D'accord. Bon, alors pour moi, j'ai ici un élément important concernant le Maranda. En fait, la roche Maranda est une roche qu'on a appelée ainsi parce qu'elle se trouve... c'est une roche qui se trouve en plein milieu du Saint-Laurent, qui est en fait un iceberg. Oui, mais je ne comprends pas très bien l'intérêt. Elle ne logeait pas sur votre roche. Non, justement, c'est ça que je veux... la chose à laquelle je veux arriver, c'est qu'en fait, on lui a donné le nom du propriétaire de la terre vis-à-vis de laquelle elle se trouve. Oui, ça veut dire que... Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, certainement. Paris? Oui, Philippe. Oui, ben en effet, maintenant je suis d'accord avec vous, je suis donc de l'autre côté de la citadelle, en effet au début des plaines d'Abraham, moi je pensais que vous vouliez que j'aille beaucoup plus loin. Voilà, je me trouve donc en vol stationnaire au-dessus de la plaine d'Abraham, maintenant que dois-je faire? Vous aviez parlé des églises tout à l'heure, Christine, et on reviendra à la ferme Maranda ensuite. Pourquoi parliez-vous des églises, Christine? Parce que l'hélicoptère voit là-haut, hein, il est... Oui. Vous êtes à combien d'altitude? Là nous sommes, disons, à 100 mètres, à 200 mètres au-dessus du Saint-Laurent, à 100 mètres au-dessus de la citadelle. Donc vous voyez bien toute la vieille ville? Je vois la vieille ville, oui, sur la droite. Attendez, on va se positionner avec l'hélicoptère de façon à ce que Thierry puisse filmer la vieille ville. Attendez, la vieille ville va se découvrir à la caméra. Voilà, on voit la vieille ville maintenant. Je voudrais d'abord apporter une précision. Vous savez que pour des besoins de sécurité, je ne pourrais pas me poser n'importe où dans la vieille ville. Oui, je m'en doute. Je m'en doute parce que c'est une vieille ville à la française. Voilà, que voulez-vous que je fasse maintenant? Alors, il a été question d'église tout à l'heure. Si vous voulez, nous avons deux candidats qui recherchent un petit peu parallèlement, ce qui n'est pas plus mal. Alors d'une part, Christine s'intéresse, elle, aux églises, car, je vous redis l'énigme, il y a comme localisation dans le soubassement sud du transept de l'église voisine du lieu où je logeais. Alors, si j'ai bien compris, l'idée de Christine, c'était, en cherchant les églises, on aurait peut-être déjà une chance. Oui. Mais vu de là-haut, vous voyez beaucoup d'églises? Ah oui, il y a en effet plusieurs clochers. Vu d'ici, je suis en train de survoler la vieille ville de Québec, il y a en effet plusieurs clochers, oui. Deuxièmement, ce sont des clochers qui, nécessairement, auraient 3 siècles. Auraient combien de siècles, vous me dites? 3 siècles. Puisque c'est 1671, bon, à quelques années près, oui, même oui, s'il y est... Oui, oui. Même si elle a traversé à la rame, en mettant beaucoup de temps, comme le laissait entendre tout à l'heure, Georges. Oui, bien qu'on a une confirmation qu'elle est en fait arrivée au Québec en 1671. Alors dites-nous pourquoi confirmation. 26 novembre. Qui se trouve. Donc, le Saint-Marie, Maranda, épouse le Saint-Marie en 1671, le 26 novembre. Et il ne faut pas nous laisser mourir idiots, hein, il faut nous dire quand vous trouvez des informations aussi précises. Ça, c'est une chose importante. Alors, redites-nous, Philippe, écoutez bien, parlez assez fort alors. Donc, Marie le Saint épouse Étienne Maranda en 1671, le 26 novembre, à Québec. Oui. 1671. Oui, c'est ça. Oui. À Québec, mais où? Où? Justement, ça n'est pas précisé. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un pourquoi, livre, pourquoi est-ce qu'elle figure? À quel titre elle figure là? Dans un livre généalogique qui reprend la succession des Maranda. Voilà, toutes alors, les familles, Paris, comme on dit. Ça. Paris. Donc, oui. Maranda, est-ce que d'après vous, Maranda est un nom connu ici à Québec? Ah oui, oui, parce que dans alors, la attendez, documentation vais... et sans problème, ils ont immédiatement trouvé et la généalogie des Maranda et oui. Un autre chapitre complet là où je vois Maranda. Écoutez, je vais demander à. Qui s'appelle, vous voyez, figure d'hier et d'aujourd'hui. Et il y a un chapitre complet intitulé Maranda. Seulement le problème, c'est que c'est sûrement plus intéressant de savoir qui était Marie le Saint plutôt que M. Maranda.
Parce que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et pardonnez-nous, Philippe, de vous faire attendre encore un peu en point fixe, mais cherchez pendant ce temps-là à repérer peut-être les églises. Il y a quelque chose de précis, là, que vous aviez l'air d'oublier. Je viens... C'est que c'était avant qu'elle soit Maranda, c'est tout le problème. Oui, eh bien, d'accord. Je viens justement de voir dans ce livre sur les filles de joie ou filles du roi. Non, les filles du roi, oui. Est-ce que tu connais Maranda, la famille Maranda? Il existe en fait deux coutumes... C'est où ? 9 minutes, pile. Pour les femmes qui se présentent au Québec, enfin au Canada, à ce moment-là, pour tout l'ensemble du Canada, un premier contingent se compose d'émigrantes venues d'elles-mêmes dans la colonie. La seconde, au contraire, comprend des épouses recrutées et transportées par l'autorité ministérielle qui leur attribue une allocation, le présent du roi, le jour de leur mariage. Pour Philippe de Dieu le veut. Oui, attendez, parce que je crois que là, Georges vient de trouver quelque chose de très important. Il vient dans un livre qui s'appelle Les filles du roi de découvrir qu'il y a eu des femmes qui, en ce siècle-là, j'imagine, ont été transportées presque d'office. Hein. On faisait des charters où on emmenait des femmes appelées filles du roi, c'est ça. C'est ça, en fait, d'accord. On leur faisait apparemment un cadeau. Voulez-vous, Georges, qu'on demande à Philippe de Dieuleveux ce qu'il voulait nous dire ? Je vous écoute. Oui, moi je me permets de vous interrompre parce que pendant que vous essayez de chercher des renseignements dans les livres, moi je parlais avec le pilote Michel Siffet, je lui parlais de la famille Maranda parce que je pense que c'est un nom connu ici. Eh bien, il me disait qu'il existe une maison Maranda, mais malheureusement elle est sur l'île que nous venons de quitter. Est-ce que ça vous intéresse? Donc elle est à 5 minutes d'ici. Ah, ça serait pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Il existe une maison Maranda, les Maranda seraient sur l'île d'Orléans. Oui, mais il y a eu tellement de Maranda, donc après, Maranda et son épouse, que oui, je me est-ce demande... que je peux vous faire une remarque oui, là aussi oui. Autant que je me souvienne dans cette aventure, pardonnez-nous ce retard hein, pour l'instant, mais je crois qu'il vaut mieux encore attendre 2 secondes avant de vous faire bouger. Si je comprends bien, cette Marie Le Saint épouse Maranda, elle a servi à créer la dynastie Maranda. Oui. Il y en avait déjà une. C'est ça. Comment il y en avait déjà une avant? Oui. Jeanne Cousin a épousé Jean Maranda en 1652. Oui, vous avez raison, c'est plus ancien. Donc il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez de femmes là-bas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans cette histoire. Et puis c'est assez connu quand même. Hein. Mm. Je crois qu'on peut rappeler que ces filles du roi devaient être ces jeunes filles de bonne famille qu'on a recrutées pour... parce qu'on manquait un peu comme en Australie récemment, on manquait de femmes là-bas. C'est ça. Alors, vous n'avez pas répondu, vous avez un hélicoptère dont vous ne vous servez pas du tout pour l'instant. Oui. Est-ce qu'on essaie d'aller à la famille Aubert? Je crois que peut-être que l'hélicoptère pourrait déjà repérer un endroit où il pourrait éventuellement se poser et peut-être questionner quelqu'un. Il ne vous a pas dit ce qu'il vous a dit. Il vous a proposé de retourner à l'île d'Orléans parce que le pilote connaît là-bas. La maison des Maranda. Eh bien, alors, je crois que ça peut se... Alors, on peut peut-être aller... Peut-être qu'il y a encore des Maranda là-bas. Mm-hmm. Et on pourrait peut-être demander aux gens de cette maison s'ils connaissent l'histoire de la famille Maranda. Vous gagneriez peut-être du temps. Il y en a pour 5 minutes. Certainement. Oui, eh bien, je crois que l'hélicoptère... Philippe, puisque le pilote connaît cette famille, est-ce qu'il y a des gens qui y habitent encore dans cette maison Maranda? D'accord, oui, je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent encore dans cette maison Maranda? Oui, le pilote me dit qu'il y a des gens qui habitent encore dans cette maison. Bon, bien, écoutez, allez-y vite, faites-les parler, demandez-leur s'ils connaissent l'origine de cette famille Maranda, s'ils connaissent cette Marie Le Saint, qui a eu des aventures apparemment très honorables, d'ailleurs, en 1671 ou 72. On vous attend. Nous survolons la citadelle et nous fonçons tout droit en direction de la maison des Maranda. Christine. Et Georges, hein, c'est bien, je crois, de chercher dans la documentation, mais n'oubliez pas que vous avez donc l'hélicoptère, qu'il travaille pour vous, que c'est lui seul qui peut trouver. Mm-hmm. Et il repart d'ici où vous l'aviez envoyé, regardez. Oui. Ils vont donc retraverser tout ça et revenir, alors je ne sais pas encore pour l'instant, Philippe de Dieuleveux, vous nous direz exactement où vous êtes dans l'île d'Orléans. D'accord, je vous dirai. Pour l'instant, je suis au ras de l'eau, au ras du Saint-Laurent. Je vais le plus vite possible sur l'île d'Orléans. D'après ce que m'a montré le pilote sur la carte, c'est près du village de Saint-Laurent, après le village de Sainte-Pétronille, disons à 1 km, 1 500 km de Sainte-Pétronille. Ah, ici alors. Ici, tout près de Saint-Laurent. Absolument, oui. Oui. Ce qui expliquerait d'ailleurs votre roche Maranda qui doit se trouver quelque part par ici, sans doute. Alors, pendant ce temps, est-ce que vous pouvez avancer sur le côté historique? Oui, parce que les filles du roi que vous aviez trouvées tout à l'heure, ça m'avait l'air très intéressant. Vous n'avez pas quitté un peu vite peut-être la page si, mais de Marie Le Saint. Résumé
Oui, dites-moi. Dans mon esprit, donc, cette tradition qui consistait à convaincre des jeunes femmes en France à les marier sur place en France et à les envoyer au Canada, moyennant, bien sûr... Comment ça, les marier en France? Il semblerait qu'elles aient un contrat de mariage au départ en France. C'est autre chose. Elles avaient un contrat de mariage, mais elles se mariaient en arrivant. C'est ça. Enfin, elles avaient un contrat au départ. Oui, c'est exact. Ce qui expliquerait que cette dame dise... j'étais méfiante à l'égard de mon futur époux encore inconnu. C'est-à-dire qu'elle avait un contrat, elle savait qu'elle allait épouser M. Maranda. C'est ça. Mais elle ne l'avait jamais vu. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, je crois que ça, c'est une partie, disons, de l'énigme qui est... qu'on peut peut-être laisser tomber pour l'instant. Et alors, revoir... Attendez, si je comprends bien quand même. Ça voudrait dire que cette Marie Le Saint part de Nantes, où elle a été recrutée, pour aller épouser... Un Français déjà au Canada. Un Français au Canada, ou même éventuellement... Non, c'est ça, c'est un Français. Enfin, Monsieur Maranda, en tout cas. C'est ça, Monsieur Maranda. Et qu'elle part, elle part avec de l'argent dans sa poche. C'est ça, c'est ça. Ce qu'elle appelle son pécule. Exactement. 15 minutes. 15 minutes. Vous avez utilisé le tiers de votre temps. Christine, vous disiez. Quelques renseignements à propos des églises, c'est-à-dire que j'ai relevé notamment 5 églises déjà à Québec. La citadelle date, du moins la première construction fort sommet, de 1693. C'est-à-dire 93, pardon. Et donc ne peut pas nous intéresser puisqu'il s'agit de la citadelle. C'est donc pas la citadelle. C'est donc pas la citadelle. Oui. Alors la chapelle des Jésuites date de 1817, ne nous intéresse donc pas non plus. L'église presbytérienne de 1810, donc ne nous intéresse pas non plus. Pour le moment, j'en suis là et je cherche la date de construction de la basilique Notre-Dame. Oui. Pendant que votre femme cherche, Georges, les églises... Paris. Oui. Nous arrivons donc au-dessus de cette maison. Elle a un toit rouge. Le pilote la reconnaît bien. Il a l'air de très bien la connaître. Hein. Les gens ont l'air de connaître cette maison Maranda. Alors je vais essayer donc de me poser le plus près possible et puis je vous rappelle dès que quelqu'un pourra me renseigner. Oui, Philippe, je vous redis notre problème. Nous savons que ça s'est vraiment passé en 1671, peut-être 1672, qu'il s'agit de l'arrivée, non pas de la première dame Maranda, mais d'une jeune Française venue épouser un des héritiers, sans doute Maranda, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes là-bas. Donc il faudrait savoir si l'affaire est connue, si on connaît l'histoire de ces filles du roi, et peut-être aurez-vous alors des tuyaux qui nous permettront de chercher... Autre chose que les églises, parce que pour l'instant, Christine, elle, cherche les églises, près de laquelle elle a pu loger en arrivant, mais c'est très vague pour nous. Alors si vous avez un autre tuyau permettant de raconter cette histoire des filles du roi, donc de Marie Le Saint, nous sommes preneurs, demandez. Philippe Gildas, nous sommes actuellement au-dessus de cette maison, au-dessus d'un jardin, un jardin recouvert de neige d'ailleurs, et nous nous posons, nous n'allons pas tarder à nous poser. Qu'est-ce que vous cherchez, Georges, pendant ce temps? Oui, ben moi, il y a une chose qui m'embête dans la direction de l'hélicoptère, c'est qu'en fait, je reviens toujours à ma roche Maranda. Elle sera en fait l'assise naturelle du pilier nord du premier pont du Québec. Oui. Et puis par après, ce pont est détruit et ça devient le pilier du deuxième pont. Oui, mais je ne vois pas rapport avec Marie Le Saint. Alors, je crois que la roche Maranda, les terres Maranda se trouvent en face de la roche Maranda. Ça, c'est une chose importante. Oui. La roche Maranda sert actuellement de pilier pour un pont. Oui. Alors, je crois qu'il faut quand même s'orienter, voir un petit peu cette maison Maranda, si ce n'est pas une maison qui a été faite par après, qui a été construite plus tard. Oui, Philippe. Oui, elle est fermée. La maison Maranda a une porte qui est fermée. Oui, est-ce que vous pourriez savoir à peu près la date de construction, soit d'après le style, soit d'après les possibilités, soit d'inscription sur la maison, éventuellement? Là, il y a une porte qui est ouverte, donc je pense que quelqu'un va venir. C'est une maison avec double porte et double fenêtre, en bois donc, avec un toit rouge. Attendez, je suis à l'intérieur. Je suis sous une sorte de véranda, je redescends l'escalier pour essayer de la décrire. Oui, mais enfin, demandez peut-être, si vous avez trouvé quelqu'un dans la porte en face, demandez plutôt à ces gens, ils savent de quel siècle elle est. 18 minutes passées. Écoutez, exact, je reste ici à l'extérieur et je vais à l'intérieur pour essayer de trouver quelqu'un. Exact, et vous nous l'amenez. Tout à l'heure j'ai frappé, il n'y avait personne, mais ça fait rien, je rentre. Oui. Heureusement que Philippe, de Dieu le veut, est grand et fort, il n'a peur de rien.
Attendez, je vais enlever le casque pour appeler, ce sera plus simple. Apparemment, il n'y a personne dans la maison. Alors, je vais donc monter au premier étage, puisqu'il n'y a personne dans cette magnifique salle à manger. Alors, tant pis, moi, je crois que je vais monter, je monte. Ça confirme que les Canadiens sont des gens très accueillants, mmh. puisqu'ils laissent la porte ouverte, même par temps de neige, et il n'y a personne pour répondre. Moi, puis-je vous faire une remarque, Georges? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous cherchez beaucoup sur Maranda. Oui. Or, j'ai l'impression que l'énigme porte sur la période qui précède la connaissance de M. Maranda. Oui, c'est vrai. Oui, mais enfin, il est probable que cette personne aura été, si elle s'est mariée avec M. Maranda, il est probable qu'elle ait été dans sa maison. Enfin, non, j'étais méfiante à l'égard de mon futur époux encore inconnu. Oui, oui, mais enfin, je suppose qu'elle l'a rejoint quand même là-bas. Ça oui, semble... mais ça s'est passé avant. Là, c'est clair dans le texte. Oui. Vous avez peut-être raison de dire que par la filière Maranda, on retrouvera. Oui, mais donc, ce n'est pas évident qu'elle connaît l'endroit où elle va aller, en plus. Par contre, moi, je crois que j'ai un élément qui devient quand même important, c'est que j'avais recueilli 6 églises au total dans la ville de Québec. Je continue ma liste de tout à l'heure. J'ai l'église Notre-Dame des Victoires qui date de 1688 et ne nous intéresse donc pas non plus. Oui, Paris, Philippe Gildas. Bon, alors je viens de faire le tour de la maison Maranda. Je suis rentré, j'ai visité plusieurs pièces et j'ai appelé très très fort, mais personne n'a répondu. Alors, dehors, je n'ai vu derrière moi qu'un chien et une voiture. Hein, mais alors, je vous propose maintenant de remonter... Oui, il faudrait essayer de trouver des gens qui puissent vous parler sur cette île d'Orléans. Oui, donc je vais remonter dans les... Oui, qui puissent vous parler. Ce que nous cherchons à savoir, en fait, c'est qui étaient ces filles du roi et ce qu'elles faisaient quand elles arrivaient. En fait, c'est ça. Je reprends l'énigme, oui. Parce qu'on l'a laissé tomber il y a 21 minutes. Oui. Alors, moi, je vais donc remonter dans l'hélicoptère. Philippe. J'y vais. Philippe, est-ce que vous pouvez chercher sur cette île s'il y a des églises? Des églises? Oui, et des églises assez anciennes, 3 siècles. 3 siècles. Et pas très loin de cette maison, en admettant que c'est été le lieu. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le village de Saint-Laurent, il y a quoi? Bah écoutez, alors pour l'instant, là je passe un petit ruisseau, pour l'instant il n'y a rien, je suis avec une maison isolée dans la nature, là près du Saint-Laurent, mais il n'y a rien autour de moi. Je monte. Écoutez, Philippe. Essayez d'aller au village de Saint-Laurent, s'il n'est pas très loin, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, et renseignez-vous peut-être là pour savoir de quand est ce village, de quand est cette église, est-ce que les filles du roi ont débarqué là? Si les filles du roi ont débarqué. Vous m'avez compris? Oui, d'accord, oui, j'ai bien compris. On y va. Et ensuite, nous irons très vite parce que nous approchons de la moitié de l'émission. Alors, nous avons localisé la maison Maranda. Nous savons qui est Marie Le Saint, qui était en gros ces filles du roi, mais nous ne savons pas du tout quelles aventures elles ont eues en arrivant là-bas. Alors, je vois ici un chapitre concernant témoignages contemporains louant l'émigration féminine. Ça n'est pas intéressant pour nous. Bon, moi, je continue toujours avec mes églises. Oui, si vous voulez, la seule, finalement, que j'ai trouvée, qui coïncide avec les dates que j'ai, qui pourrait être en construction à l'époque, est la basilique Notre-Dame, qui a été construite en 1647. Oui, mais que vous ayez trouvé dans la liste des édifices existants encore actuellement. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui vous prouve que ça n'a pas disparu depuis? Dans ce pays où tout le monde sait que les constructions de l'époque étaient pour la plupart en bois et que la ville brûlait tous les 50 ans. C'est peut-être, il faut réserver Notre-Dame pour l'instant, je crois que vous ne regardez pas assez le texte de l'énigme. Hein. Vous êtes arrêté à quelques mots, vous avez éliminé tous les autres. Alors on sait que c'est dans le soubassement sud du transept de l'église. Mais il est précisé aussitôt après, l'église voisine du lieu où je logeais. Oui. On est d'accord. Georges n'écoute pas, il a trouvé quelque chose. Non, j'écoute. Alors, c'est où logeait-elle? Où logeait-elle? Dès mon arrivée. Philippe Gildas. Philippe, oui. Bon, nous avons donc repris de l'altitude et nous allons normalement approcher du village de Saint-Laurent. Et alors ensuite, donc je cherche une église. Ah, vous avez passé la moitié de votre temps maintenant, hein. 23 minutes écoulées. 23 minutes déjà? Philippe, je vous précise qu'il nous reste la moitié du temps qui nous est imparti.
Oui, d'accord. Donc il faudrait peut-être accélérer un petit peu. Je ne vous demande pas l'impossible quand même, hein, pas d'imprudence. Bon, alors moi je lis ici une chose quand même intéressante. Dans les annales de l'Hôtel Dieu, on note les arrivages annuels de jeunes émigrantes. Émigrantes Émigrantes, c'est ça. Un certain nombre de ces filles étaient des qualités de, étaient des demoiselles de qualité sans bien, ce qui explique qu'on puisse les faire venir. Beaucoup étaient sortis des couvents. Des couvents français, donc avant de partir. Français, oui. Alors, quand elles arrivaient, elles étaient mises, vous dites ça se trouve dans les annales de l'Hôtel Dieu, ce qui supposerait qu'elles soient en tout cas logées. Philippe Gildas, je ne vais pas tarder à arriver et on va se poser donc bientôt. Vous vous posez donc et vous essayez de vous renseigner, trouver des gens qui éventuellement connaîtraient l'histoire des Marandas, et indépendamment des Marandas, de Marie Le Saint, puisque c'est l'héroïne. Et troisième question. Est-ce que les filles du roi, quand elles arrivaient, allaient par exemple sur cette île d'Orléans? Et dans ces cas-là, où? Et en principe, l'endroit serait proche d'une église. Donc, si vous devez trouver quelque chose, c'est près de l'église. J'ai bien compris, oui. Merci. Je vous ai coupé. Non, mais je crois que j'avais dit ce qu'il fallait. Donc, il est possible qu'elles soient logées à l'Hôtel Dieu, ce qui semblerait... Alors. Pendant qu'il cherche là, on réserve tout de suite. Vous avez dit, vous, l'église Notre-Dame. La basilique Notre-Dame. Basilique Notre-Dame. Alors, l'Hôtel Dieu. Et l'Hôtel Dieu. Est-ce que tu pourrais regarder si l'Hôtel Dieu est tout près de la basilique? Et s'il y a une église? S'il y a une église? S'il y a une église tout près de l'Hôtel Dieu. Paris. Ou dans l'Hôtel Dieu. Oui, les studios. Oui. Je me trouve actuellement près de l'église, alors je vous propose de trouver éventuellement monsieur le curé qui serait là. Oui, mais à condition qu'il ne soit pas dans le clocher, hein, ne perdez pas de temps. Ah non, je ne perds pas de temps, mais je pense qu'il devrait y avoir un presbytère près de cette église. Parce que dans l'école, il y a des enfants, mais eux ne comprendront rien. Alors, je cours, je vois un petit escalier, je vais le prendre et peut-être qu'il y a une personne, enfin j'espère. Oui, là, il me semble apercevoir quelqu'un. Alors, je vais essayer de rentrer et je vais trouver des renseignements. Donc, je vous rappelle dès que j'en ai. Ah, c'est fermé, là, bon. C'est fermé. Occupé de je frappe. 1648. Non, c'est fermé. 26 minutes. Et nous cherchons toujours vainement, et Philippe aussi. Vous êtes déjà... Vous ne... Oui, mais il existe déjà un Hôtel Dieu. Un Hôtel Dieu. Oui. Qui est tout près de la basilique actuelle. Les premiers habitants. Aucun de vous ne s'intéresse à Philippe de Dieuleveux. C'est-à-dire que vous l'avez envoyé en mission suicidaire, là. Non, je crois pas qu'il est en mission suicidaire. Mais... Non, mais vous pensez que ça a un intérêt, Saint-Laurent, ou pas? Pour le moment, on est sur une autre piste, ça, c'est sûr, mais... C'est peut-être un peu idiot de courir deux lièvres totalement opposés. Enfin, je vous laisse faire, hein. Vous êtes maître du jeu. On n'enverrait pas la basilique. Oui. Pardon? Est-ce qu'on ne l'enverrait pas, Philippe de Dieuleveux, à la basilique? Vous ne même pas que c'est l'église de Saint-Laurent. De toute façon, ah oui, l'église de Saint-Laurent. Les indications. Si ça traîne pas. Oui. Car il est là pour votre. Oui. Pour vous aider, hein, pour faire ce que vous ne pouvez pas faire, puisque vous êtes à Paris et lui là-bas. Mm-hmm. 27 minutes. Je pense que Philippe de Dieuleveux va trouver d'un instant à l'autre quelqu'un qui pourra vous dire s'il y a une histoire Maranda utile. Oui? Ah, Philippe, nous avons des problèmes de... Est-ce que pendant ce temps, vous avez trouvé d'autres endroits, d'autres pistes pour savoir où logeait? Oui, ben non. Alors, le logement des monuments datant de cette époque-là qui semblent encore actuellement... Enfin, ce n'est même pas nécessaire. Oui, Oui. Où est-ce qu'elle pouvait loger, à votre avis? Ben, je crois que l'Hôtel Dieu, qui sont en général des hôpitaux, ou les premiers hôpitaux, semblent être un endroit adéquat, ou en tout cas partant de l'Hôtel Dieu, des maisons locales. Il y avait apparemment 80 personnes, c'était des contingents de... Oui, mais l'Hôtel Dieu, vous avez vérification qu'il existait déjà à cette époque, l'Hôtel Dieu? Alors, ça, je n'ai pas encore retrouvé. Ça, c'est une chose importante. Parce que vous avez cherché, si j'ai bien compris, Christine, dans les monuments existants encore aujourd'hui et à visiter aujourd'hui. Oui. Et vous n'avez pas, en revanche, cherché historiquement les monuments qui existaient à cette époque.
Non, ça, je ne parviens pas encore à trouver. Pour le moment, je m'attelle un petit peu à... Il faudrait se dépêcher. Il nous reste 17 minutes. Il faudrait se... Je crois que le plus important dans votre énigme, c'est tout de même voisine du lieu où je logeais. Si nous savions où elle logeait... Où elle arrivait, c'est ce que je suis en train de chercher. Je vois les premières habitations, la description de la maison du colon, la construction. Je vois qu'on parle effectivement d'Indiens qui attaquaient. D'Indiens qui attaquaient. Donc ça, c'est bien dans notre énigme également. Mais je cherche maintenant donc l'endroit où les immigrantes arrivaient au moment où elles mettaient le pied sur le sol du Québec. Et en raisonnant tout logiquement, alors on a dit qu'elles pouvaient résider à l'Hôtel Dieu. C'était des filles de bonne famille, vous nous avez dit tout à l'heure, on ne devait pas les laisser n'importe où. On leur avait promis des choses à peu près sérieuses, donc on ne devait pas les laisser coucher sous la tente ou sur la plage. Où est-ce qu'elles pouvaient loger? C'est pas exclu qu'elle... Non, mais comme type de logement, à votre avis? Dans les églises, apparemment, c'est pas ça, c'est l'église proche du lieu où j'étais. Alors ça pouvait être quoi? Où est-ce qu'il y a des églises? Peut-être à côté d'un couvent ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas un couvent? Il y aurait déjà eu des couvents à cette époque. Ça, je vais vérifier. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Les jeunes filles, on les met dans les collèges de jeunes filles, mais je sais pas si dans ce Québec... débutant, construit en 1608, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Couvent des Ursulines, je n'ai pas la date. Il y a un couvent des Ursulines. Oui. Et qui existe encore. Qui existe actuellement. Qui existe actuellement, hein, oui. Qui renferme le tombeau de Montcalm. Mais je tombeau n'ai pas... Tombeau de Montcalm. Eh bien, écoutez, Montcalm, c'est le siècle suivant. C'est donc un couvent au moins, très ancien. Oui. Couvent des Ursulines, ça c'est important. Montcalm, c'est la fin du Québec libre. Hein. Et en fait, il y a une fastueuse chapelle. Dans le couvent des Ursulines. Exactement 15 minutes. Philippe, on vous réentend à nouveau bien. Alors? Ah non, il y a des petits problèmes de liaison. Ah non. Allez-y, maintenant je vous entends. Oui, je suis donc dans une bibliothèque municipale du 3e âge. J'ai trouvé quelqu'un et je suis donc parti avec lui et je vais donc interviewer. J'aurais voulu avoir des renseignements sur les filles du roi. Philippe, vous pourriez vous renseigner là-dessus. Ah, Philippe, on ne vous entend pas assez. On ne vous entend pas assez, il faudrait vous déplacer un tout petit peu pendant que je précise au candidat qu'il est rentré dans la bibliothèque municipale et qu'il a trouvé quelqu'un. Et il est en train de l'interroger. Donc, si vous voulez lui poser des questions, c'est le moment. Préparez-les. Oui, bon. Allez-y, je vous entends. Là, ne parlez pas trop fort, je vous entends bien. Écoutez, Philippe, posez vos questions directement. Ce que nous voulons, c'est savoir s'il y avait des lieux ou si cette dame de la bibliothèque municipale sait où on logeait les jeunes filles, dites filles du roi, quand elles arrivaient comme immigrantes prêtes à marier à Québec. C'est compris? La chapelle des Ursulines a été... Oui, je vous entends bien. Bon, ben alors, c'est ce que nous avions trouvé aussi. Et alors, dans ces cas-là, ça confirme ce que nous n'avions pas, que les Ursulines existaient déjà en 1671. Eh bien, allez-y vite. Désolé, mais on va éliminer la piste Maranda et la piste Île d'Orléans, puisqu'on n'a pas pu vérifier. Et foncez donc au couvent des Ursulines, qui se trouve où? Écoutez, Philippe, remontez dans l'hélicoptère et vous nous direz, pendant que vous ferez route vers la citadelle, où se trouve le couvent des Ursulines. Bon, alors... Vous l'avez, vous, sur le plan? Le couvent des Ursulines, pas encore, mais le couvent des Ursulines était donc fondé déjà à ce moment-là. Par contre, la chapelle des Ursulines a été fondée plus tard. Elle a été construite en 1720, tandis que le couvent a été fondé en 1639. Donc, chapelle des Ursulines n'a pas d'intérêt. Et donc, le couvent des Ursulines non plus? Ah, si. Si, le couvent... Le couvent est construit déjà en 1639. Oui, et alors l'intérêt, puisqu'il n'y a pas d'église? Alors, il faut repérer une église qui n'est pas loin du couvent des Ursulines. Parce qu'on ne dit pas que ça fait partie. Hein. Couvent des Ursulines numéro 18. Je suis dans un petit plan ici. Tu vois le 18? Oui, Christine. Voilà. Près de la rue Sainte-Anne, si on parvient à la trouver sur notre plan. Près de la rue Sainte-Anne. Je vois ici, un peu plus haut que la citadelle, en fait. Dans la vieille ville, quoi. Dans la vieille ville, oui. L'emplacement. Du couvent des Ursulines. C'est peut-être l'un de ces points. Oui. Il faudrait demander à l'hélicoptère s'il aperçoit, en survolant cet endroit-là, des clochers qui seraient tout près alors du couvent. Est-ce que Philippe de Dieuleveux nous entend à nouveau? Oui, écoutez, je crois que la
Oui, nous, on vous entend assez mal, mais je crois que vous nous entendez bien, vous. Alors, ce que nous cherchons maintenant, c'est le couvent des Ursulines. Le couvent des Ursulines se trouve dans la vieille ville, juste derrière la citadelle. Nous savons que l'église de ce couvent n'existait pas à l'époque. En admettant que cette fille du roi ait été accueillie au couvent des Ursulines, il faudrait que vous trouviez une chapelle ou une église tout près de ce couvent des Ursulines. Alors, je vous laisse faire, dès que vous pouvez nous préciser, vous le dites. Oui, d'accord. Alors, donc, pour l'instant, nous venons de redécoller, et comme j'ai relativement bien situé le couvent des Ursulines sur la carte, nous y allons le plus possible. Pendant que vous volez, que vous avez dit la personne de la bibliothèque en dehors du couvent des Ursulines? Comment? Répétez, je l'ai mal reçu. Que vous avez dit la personne de la bibliothèque de Saint-Laurent en dehors du fait que c'était au couvent des Ursulines qu'on accueillait les filles du roi? Elle vous a dit autre chose intéressante? Bon, écoutez, parce que j'ai eu du mal, si vous voulez, à la faire sortir. Elle était bien sûr un petit peu étonnée de me voir rentrer comme une tempête. Elle était en train de jouer aux cartes. Alors, elle a bien voulu sortir. J'ai essayé de vous avoir en liaison correctement et j'ai pu lui poser une seule question avant que vous me donniez l'ordre de repartir. Mais je crois que c'est un renseignement important de toute façon que vous aviez trouvé parce que ça confirmait ce que nous avons, nous, ici. Donc, vite au couvent des Ursulines et cherchez une église proche. Et pendant ce temps-là, nous allons vérifier qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Quand nous même. Venons de faire justement le tour des églises qui sont proches des Ursulines actuellement. Oui. Et il n'en reste pas tellement, en fait. On retombe toujours sur les mêmes... 10 minutes, il vous reste. 10 minutes, pas plus. Il faut vraiment y aller très, très vite maintenant. On retombe... demandera à l'hélicoptère de maintenant se placer le plus près possible, se poser près de la basilique, où j'aimerais qu'il aille voir, dans le soubassement sud, du transept de l'église qui est renseigné. C'est l'église qui est actuellement la plus proche du couvent et qui existait, d'après les dates, à l'époque. Elle est à combien de kilomètres d'après votre échelle? Et l'église s'appelle comment? C'est la basilique Notre-Dame. La basilique Notre-Dame. Oui. Donc vous voulez qu'on prenne tout de suite, se poser? Oui. Vérifier pendant ce temps-là tout de même que l'église effectivement existait, mais qu'il n'y en avait pas d'autre. Parce que nous sommes partis de l'hypothèse qu'il n'y avait que le couvent des Ursulines. Hein. Oui. Il y a peut-être d'autres endroits. C'est sûr. Nous sommes d'accord. Bon, donc la première pierre de la basilique actuelle a été posée en 1647, ce qui est très possible pour nous. Il y a bien avec Georges qui suit son idée de droit devant. Et vous êtes d'accord, vous n'aurez pas de regret tout à l'heure. Non, vous ne cherchez pas s'il y avait d'autres endroits d'accueil. Si, c'est ce qu'on cherche pour le moment. Vous cherchez une église pour l'instant, à deux. On vérifie... Philippe, vous avez entendu donc le couvent des Ursulines, inutile de vous y poser. De toute façon, je pense qu'il faut que vous vous posiez dans un endroit relativement éloigné de ce couvent. Vous irez donc en courant, mais ce qu'ils veulent, c'est que vous alliez à la basilique Notre-Dame, qui se trouve près du couvent des Ursulines et qui, pour eux, est l'église la plus proche de ce couvent et existant déjà à cette époque-là. Et ça correspondrait pour eux, si elle a été logée aux Ursulines, à cette phrase, les soubassements sud du transept de l'église voisine du lieu où je logeais. C'est compris, Philippe? Oui, absolument. En plus, je crois qu'on recoupe assez bien les données, puisque l'hôtel Dieu se trouve effectivement entouré en tout et pour tout, comme seule église, plus ou moins proche. Oui, aujourd'hui, vous avez une carte contemporaine. C'est juste. Philippe, vous pouvez atterrir assez près. Oui, je pense qu'on va pouvoir atterrir à peu près à 200-300 mètres, 400 mètres peut-être. Ah, il faudrait y aller en courant. Oui, bien sûr, mais je suis encore assez loin de la ville de Québec. Là, je passe au-dessus de la pointe de l'île d'Orléans. Vous avez éliminé les églises qui ont peut-être disparu depuis. Vous n'avez pris que les églises qui existent encore aujourd'hui. Et vous avez éliminé jusqu'ici tous les autres couvents. Vous n'avez pris que les Ursulines. Ça fait... une sacrée impasse. Oui, mais je crois qu'on n'a malheureusement pas tellement la possibilité au niveau de l'hélicoptère, sauf... 7 en minutes trouvant... encore. Et au niveau des jambes de Dieu le veut, parce qu'il va devoir y aller à pied. Bon, il est probable, il ne faut pas oublier qu'il y a... Qu'est-ce qui me prête les filles du roi? Il y en a un ici. Et elle s'appelait, vous aviez raison, fille de joie ou fille du roi. Une ou autre. On va du roi, c'est mieux. Pas de bouquin historique. D'ailleurs, sans les lieux. Hein. Philippe, si vous pouvez nous raconter pendant ce temps où vous êtes.
Je suis toujours pour l'instant au-dessus du Saint-Laurent. On reprend un peu d'altitude pour arriver au-dessus du Vieux-Québec. Donc je vais ensuite me poser sur l'esplanade, l'endroit le plus proche du couvent des Ursulines. Nous y serons dans 2 minutes à peu près. Je pense, sur d'après la carte, 2 minutes, oui. Alors dites donc, je viens de trouver, moi, vous ne l'aviez pas dit tout à l'heure, vous n'aviez pas lu jusqu'au bout. Marie, non, je ne vous fais pas perdre de temps. Marie Le Saint apporta des biens estimés à 400 livres et un don de 50 deniers du roi. Donc vous avez tout de même 400 livres de l'époque, là, au pied du transept sud. Car c'est ça le pécule caché. Ça devait être une très jolie jeune fille, 18 ans seulement. Et elle n'avait plus son papa. Je vous coupe, nous passons juste au-dessus de la vieille ville de Québec qui est entourée d'un énorme rempart. Donc tout vous passez vite la citadelle, Philippe, parce qu'il vous reste 6 minutes. Oui, ok, dès que... Est-ce qu'on peut faire courir un hélicoptère? En tout cas, nous arrivons à proximité de notre point d'atterrissage que j'aperçois. Il est où? Pardon? Je vous ai mal reçu. Votre point d'atterrissage se trouve où? Alors, il est au parc de l'Esplanade. L'Esplanade, oui. Oui, donc vous allez devoir courir. Ah oui, bien sûr, oui. Et monter. Il nous reste en fait un gros pari, c'est qu'il existe une autre église qui n'est pas impossible et qui est l'église Notre-Dame, qui n'est pas une basilique. Mais je crois que pour l'hélicoptère, on n'a pas le choix maintenant. Beaucoup plus éloigné ou quoi? Qui est dans la ville la plus basse. Qui est dans la ville la plus basse. Non, c'est la citadelle que vous avez là, non? Non, la citadelle est ici. Ah, la citadelle est là et apparemment la plus basse. Dans la neige qui recouvre la pelouse au niveau des remparts, juste à l'extérieur de la vieille ville. Il ne me reste plus beaucoup de minutes là pour l'instant. 5 minutes. Vous êtes posé? Non, bientôt, soyez patients, nous allons pas tarder à le faire. Voilà, le pilote se positionne. Vous savez, on ne manie pas un hélicoptère comme on manie une voiture. Alors, il faut prendre quand même un peu plus de temps. Vous avez vu quelle route vous devez prendre pour monter très vite à la basilique Notre-Dame? Oui, absolument, j'ai repéré la route, oui. Voilà, la basilique Notre-Dame est donc clairement inscrite sur le plan de la ville que j'ai donc sous les yeux, et j'ai pu me repérer assez bien. Vous savez, j'ai cherché un point pour me poser à l'intérieur, donc intramuros, mais je n'ai rien trouvé. Hein. On ne va pas tarder maintenant à se poser. Voilà, je descends de l'hélicoptère. Tiens, moi je lis, nous lisons dans le journal des Jésuites. Le vaisseau de Normandie arrive avec 82, tant filles que femmes. Le refuge de la Salpêtrière où elles étaient mises. Ah, moi, je viens de trouver un deuxième endroit, hein, du premier coup. Oui. Et ça faisait partie de l'hôpital général. Et ça, c'est 1665. Bon, enfin, de toute façon, on a déjà une première chose à vérifier, oui. Je crois que... Le roi établissait l'hôpital général, justement, pour accueillir les migrantes. Oui, je vais donc prévenir Thierry. Et Thierry, là, vous n'allez pas pouvoir me suivre. Oui, hein. Vous allez à la basilique Notre-Dame, c'est cela. Oui, non, je viens de prévenir l'équipe caméra, là, Thierry Malater et Thierry Pouget, qui ne pourront pas courir aussi vite que moi, car je vais essayer de gagner du temps, même en laissant derrière lui les caméras, parce que le caméraman est plus chargé. Il va courir devant. Il nous reste 3 minutes. Oui. Moi, je vois vraiment beaucoup de choses sur les jésuites. Tout d'un coup, c'est dès le début des histoires des immigrants. L'église voisine du lieu où je logeais, je cachais mon pécule personnel, ça on a vu pourquoi. Aujourd'hui j'ai besoin, je vous charge de la récupérer. Et les Indiens de la Réduction, c'est pas du tout occupé des Indiens de la Réduction. On n'a pas trouvé du tout ce point d'histoire, on s'en est pas occupé du tout. Non, j'ai juste relevé le fait que les Indiens, effectivement, faisaient parfois des ravages. Oui, mais qui c'était les Indiens de la Réduction? Oui, c'est un peu bête de pas s'être servi de cet élément, parce que ça voulait dire que les Indiens de la Réduction, ou bien c'est parce que, comme vous pensez, ils ont pu ravager toute la ville, enfin, une citadelle, ça se prenait pas comme ça, ou bien alors, les Indiens de la Réduction, ils habitaient quelque part dans cette ville, qui n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Ça, je crois que de toute façon, c'est désespéré. 2 minutes maintenant, Philippe, vous allez y arriver à temps à l'église? Écoutez, pour l'instant, nous continuons à courir. Philippe, ne parlez pas, alors courez sans parler, je vous explique pendant ce temps. Il faut aller dans le soubassement sud du transept de l'église. Hein? L'église est toujours orientée vers l'est, donc soubassement sud du transept. C'est la croisée, hein? Oui,
Gilbert, j'ai passé la porte Saint-Louis et je descends la rue Saint-Louis, le trottoir est étroit, mais je suis tout près du couvent des Ursulines, là, maintenant. Il vous reste 1 minute et 15 secondes. Philippe, 1 minute et 15 secondes. Pardonnez-moi de vous faire courir encore plus vite. Écoutez, là, maintenant, j'ai lâché définitivement Thierry Malaterre et sa caméra, qui est lourde, je le sais, pour lui. Et 60 j'ai laissé Thierry Pouget et son magnéto. Alors, je suis tout seul pour l'instant, donc devant à courir. Ça fait peut-être maintenant un kilomètre que nous courons dans une course qui devient de plus en plus dure pour les deux personnes qui me suivent. Alors, voilà, moi, je ne vais pas tarder à arriver devant l'église. Voilà, j'y suis, je rentre. Alors, à l'intérieur, c'est très, très sombre. Je ne vois personne. Personne à interroger, malheureusement. Je ne vois pas de traces de statues ou sur les filles du roi ou quelque chose qui pourrait donc indiquer leur présence. Alors, je dois vous avouer que je me sens un petit peu seul dans cette église qui est complètement déserte. Donc, il n'y a personne à cette heure-ci. Je cherche maintenant, peut-être du côté, donc, au pied, donc. Non, je ne vois personne là. Peut-être à côté du transept nord, au-dessus, quand j'y suis, je ne vois rien pour l'instant. Je cherche, je suis incapable, là, je fouille, mais vous savez, c'est très noir, je ne sens rien, je ne vois rien, là. J'espère qu'ils ne vont pas tarder à me retrouver pour pouvoir filmer, donc, la taille de cette église, mais je suis désolé, je crois que je vais ressortir, je n'ai rien vu, je ne trouve rien. Voilà Thierry qui revient. Ils sont donc rentrés dans l'église. Philippe, je vous demande d'arrêter la recherche. Je vais ouvrir la cassette, comme le veut le règlement. Alors, je vais d'abord, comme toujours, lire d'abord l'historique pour qu'on comprenne mieux quelle énigme les producteurs nous avaient posée. Jusqu'en 1663, la France participait d'une façon très peu active au développement de ce qu'on appelait alors la Nouvelle-France. Une grande période commençait ensuite, le Canada recevait des structures politiques nouvelles et un élan vital, grâce en particulier à Louis XIV et à Colbert. Pendant 10 ans, le peuplement était assuré par l'émigration massive de colons et de filles à marier, plus connues sous le nom de filles du roi, car pour la première fois, le trésor royal s'engageait à contribuer à l'établissement de ces immigrantes, etc. On l'a vu, 50 livres notamment comme don du roi, d'où les filles du roi. Une fois recrutées dans diverses provinces de France, elles embarquaient à destination du Québec. Et là, ça commence à nous intéresser directement, où à leur arrivée, elles étaient prises en charge par diverses institutions religieuses en attendant de trouver un mari et de fonder une famille. Ainsi, jusqu'en 1773, c'est-à-dire 2 ans après l'arrivée de Marie Le Saint, 800 filles émigraient vers le Canada. Une rumeur à propos de l'origine douteuse de ces filles a longtemps circulé, mais il paraît que les études sérieuses ensuite ont permis de nos jours d'affirmer qu'elles furent tout au contraire choisies avec beaucoup de soin pour leur qualité physique et morale. Ça, c'était l'explication générale. Alors, venons-en maintenant à notre énigme. Âgée de 18 ans, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, vous l'aviez trouvé tout de suite. Marie Le Saint fut recrutée à Nantes, nous dit l'énigme, en 1671, et émigra en Nouvelle-France la même année, vous l'aviez vu aussi. À son arrivée, elle logea dans la maison des Jésuites de Sillery. Alors là, nous n'en avons jamais entendu parler, il faut être honnête. Et j'ai bien vu, moi, mais tard, trop tard, qu'il y avait le journal des Jésuites qui n'arrêtait pas, dès le début, de raconter l'histoire des filles du roi. La maison des Jésuites de Sillery et cachait son pécule dans le soubassement d'une église qui était voisine. Contrairement à tous les autres édifices religieux de l'époque, où la chapelle était partie intégrante des bâtiments. Et je crois que voilà notre deuxième erreur, au tout début en tout cas. Vous avez bien compris après Christine qu'il fallait chercher une église voisine et non pas intégrée. Alors je répète, à son arrivée, elle logea dans la maison des Jésuites de Sillery et a caché son pécule dans le soubassement d'une église qui était voisine. Marie Le Saint allait très vite devenir l'épouse d'Étienne Maranda, colon de l'île d'Orléans, ça vous l'aviez bien trouvé. Pourquoi craignait-elle que les Indiens de la Réduction, là nous nous en sommes pas du tout occupés, découvrent son pécule? Car les Jésuites à cette époque accueillaient des communautés d'Indiens Hurons et Iroquois et tentaient de les assimiler aux coutumes des Européens, tentative qui fut baptisée, je comprends, du nom de réduction de l'État indien à l'État européen et qui d'ailleurs échoua complètement.
Alors, Philippe, demandez à votre pilote, puisqu'il est de là-bas, il connaît Québec, où se trouve la maison de Sillery, car c'est clair, il faut aller près de la maison des jésuites de Sillery. Il y a à côté une église et vous devriez, et ça ne fait aucun doute, dans le soubassement sud du transept, trouver le pécule, important pécule d'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure, de Marie Le Saint. Mais Philippe, vous allez faire cette vérification, nous la verrons aussitôt après notre générique de fin. Je vous remercie et pour tous les efforts que vous avez faits. Nous étions, je crois, on aura moins de regrets, Christine et Georges, encore assez loin tout de même. Hein, elle l'était. C'était pas si facile, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Nous n'avons pas trouvé. Je vous rappelle quand même que pour avoir fort bien joué, pour avoir très bien joué, vous aurez tout de même un lot de consolation. C'est 5000 francs que nous donnons aux candidats qui se sont approchés du but. Pas les 30 000 francs français, mais 5000 francs. Et peut-être une prochaine fois, qui sait. En tout cas, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chasse au trésor. Et vous ne quittez pas dans un instant, donc, la vérification par Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère et la caméra. Qui sont en ruine maintenant, et la maison que vous avez cherchée.